Yo tout le monde, c'est Neto, on se retrouve aujourd'hui donc pour l'astuce sur Naruto. Donc en mode je ne sais pas comment ça s'appelle mais je suis celui qui tourne, voilà. Donc il a ses combos principaux, je vais vous les faire montrer hein. Voilà, combo carré. Il a le combo carré incliné vers le haut. Voilà, combo carré incliné vers le bas. Voilà. Et puis, il a le garde carré. Voilà. Il a le triangle carré. Pas mal, pas mal. Et donc, il a quoi ici? Il a... Alors ça, j'aime... Merde, putain. J'en ai marre de faire tout le temps ces bêtises. Dans tous les épisodes, je vais faire ça. Donc vous voyez que là, je suis tout au fond là-bas. Et donc sa technique que je kiffe le plus, c'est donc coup de joystick vers droite, gauche, haut ou bas. Et directement carré. Vous, partout où vous êtes sur la map, vous allez vous retrouver à côté de lui. Donc vous courez, hop hop, d'un coup, hop, vous arrivez, vous frappez direct. Donc j'ai oublié de vous dire, c'est un personnage donc vraiment rusher, hein, franchement... Faut laisser sans répit votre adversaire, vous lui enlevez toutes ses permutes, vous le frappez, vous le frappez, vous le frappez. Même là, par exemple, il est là-bas, il est en train de recharger son chakra, imaginons. Hop, vous faites ça, vous le stunnez, il s'y attend pas. Votre technique. Faut aller vraiment vite, mais franchement, quand il ne s'y attend pas, c'est vraiment pratique. Donc comme ça, je vais vous montrer sa technique en même temps. Voilà, donc je vous ai tout dit sur Naruto, je pense. Oui, je vous ai dit la plupart des choses. Donc les soutiens, bah après c'est à vous de voir, hein, parce que c'est un personnage attaquif, oui. J'arrive pas à parler, bref, c'est un personnage rusher. Donc ça serait bien de prendre peut-être Neji ou Pain avec leur boule. Parce que bah quand vraiment, s'il arrive à retourner la situation, faut comme ça vous mettez Neji ou Pain. Et hop, il met sa boule et puis ça éjecte tout le monde. Vous avez le temps de recharger votre chakra et directement rusher votre adversaire. Ou des personnages comme bah Sasuke The Last. Ouais, ou des personnages qui envoient des choses comme ça avec un grand impact, on va dire. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode d'astuces sur Naruto. Donc moi je vous dis à la prochaine pour mes nouvelles vidéos. Bye bye. Alors voilà, je vais vous faire montrer une petite expérience que j'ai eue pendant le jeu. Donc je vous parle des astuces, mais faut bien les voir en pleine action. Donc là, c'était en combat en ligne. Et vous voyez que je fais la technique joystick carré. Je le stun, je lui fais ma technique spéciale. Et vous voyez que ça marche vraiment très bien quand il ne s'y attend pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée, elle touche à sa fin avec une petite démonstration en ligne. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.